Comme ça, ceux qui veulent discuter, j'ai le temps après. Le 5 mètres, c'est mieux. Asseyez-vous, parce qu'on est déjà assis, on commence à s'y. Inspirez, redressez votre dos. Expirez, lâchez le dos. C'est bon, Sophie, c'est bon. Inspirez, redressez le dos. Coucou. Inspirez, relâchez. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras par le devant. Faites glisser les bras sur le côté. Inspirez, montez les bras par le côté. Ça va, Jeannette? Expirez, relâchez les bras par le devant. Faites glisser les mains par le côté. Inspirez. Expirez, dernière fois, relâchez les bras par le devant. Faites glisser les bras par le côté. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, étirez le côté gauche. Inspirez, revenez. Expirez, étirez le côté droit. Inspirez, revenez. Grandissez, expirez, pivotez vers la droite. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, pivotez vers la gauche. Inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez les bras par le devant. Inspirez, faites glisser les mains sur le côté. Montez les bras par le côté. Vers le ciel. Expirez, relâchez devant. Encore une fois, faites glisser sur le côté. Inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez devant. Dernière fois. Et puis inspirez, restez en haut. Et expirez, inclinez le buste vers la droite. C'est pas grave. Tu changes. Inspirez, on va faire l'autre côté. Montez les bras. Expirez, étirez le côté gauche. Inspirez, revenez. Expirez, pivotez vers la droite. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, pivotez vers la gauche. Et puis inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez les bras par le devant. Déroulez votre dos sans monter les bras. Refermez vos genoux et venez tirer l'avant de la cuisse. Celle que vous voulez. C'est bon, on est bon. Et puis, vous allez revenir vous asseoir, déplier votre jambe devant, pivoter sur le côté, allonger la jambe. Regardez vers votre pied, inspirez, roulez vers l'arrière, soufflez, revenez. Juste ça. Je souffle, et j'inspire. Je souffle, je vais vers l'arrière, je souffle, et j'inspire. Dernière fois. Revenez au milieu, fléchissez les genoux, changez de côté. Hop. Ça démarre un mouvement aujourd'hui. Il faut changer des fois. Étirez, là, fait beau. Revenez milieu, attrapez votre genou, posez vous asseoir, le tapis derrière vous, attrapez votre jambe, et là on fait l'autre jambe, soufflez le genou vers l'arrière, inspirez, revenez vers l'avant. Comme ça, ça devrait aller mieux pour vous.
Jambes pliées. Sur le dos, paume de main vers le ciel. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Serrez le périnée. Alignez vos genoux avec votre bassin. Et puis vous allez rapprocher peut-être un peu les talons des fessiers. Inspirez en soufflant. Plaquez le bas du dos au sol. Poussez le bassin vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Déroulez votre dos. Prenez le temps d'étaler la colonne sur le tapis en serrant bien votre périnée. Inspirez. Expirez, enroulez. Faites-le à votre niveau. Encore deux fois. Expirez.
pour revenir dans l'image. Repoussez bien le sol ici. Cherchez à grandir, allongez votre nuque. J'inspire, je serre le périnée, j'aspire mon nombril. Fléchissez vos genoux, attrapez vos chevilles, décollez les pieds, soufflez, roulez vers l'arrière, inspirez, revenez devant. Je souffle et j'inspire. Si c'est possible, vous attrapez vos talons et vous gardez les talons à une distance d'un avant-bras entre les talons et les fessiers. Si c'est possible, sinon vous attrapez juste vos chevilles et c'est déjà très bien. Rapprochez les talons des fessiers, les genoux largeur de bassin, inspirez par le nez,
Expirez par la bouche, en serrant bien le périnée, le ventre, en étirant la nuque, en amenant les épaules vers le bassin. Et en cherchant, vous faites comme si vous vouliez écarter les bras sur les côtés, mais ils sont collés au sol. Les omoplates sont collées. Et vous serrez bien votre périnée, vous allégez vos jambes quand vous soufflez. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Thank you.
jambes vers le ciel. Allonge les jambes vers la roue, les genoux fléchis. Si vous manquez de souplesse derrière les cuisses, c'est les genoux fléchis. C'est comme c'est pour vous. Je regarde comment ça vous. Et que vous allez inspirer, vous serrez bien les bras, puis vous amenez les deux jambes vers la droite. En gardant les chevilles alignées avec votre bassin. Jambes fléchies ou jambes tendues. Inspirez, vous venez milieu. Expirez, serrez les périnées, changez de côté. Inspirez, vous venez milieu. Expirez, changez. Alors, si jamais votre périnée il lâche un peu, mettez vos deux contacts, les deux talons en contact, ça va vous aider. Les deux talons l'un contre l'autre, le périnée se contracte mieux. Expirez, ramenez votre main au sol. Et puis,
expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. Inspirez, voici en planche. Expirez, restez, serrez bien fermé les jambes. Attention, allez, les bras c'est plat au niveau du dos. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez, ramenez le genou gauche vers la poitrine, le talon gauche vers la cuisse gauche, et amenez votre pied gauche entre les deux mains. Inspirez, montez le bras gauche. Expirez, ramenez votre main au sol. Et puis, inspirez, expirez, ramenez votre pied gauche à côté du pied droit, poussez les fesses vers l'arrière. Et puis là, inspirez, passez en planche. Expirez, chien tête en bas, fléchissant les genoux. Regardez entre les deux mains, inspirez. Et en sautant ou sans sauter, expirez, amenez les pieds à l'extérieur des mains. Redressez votre buste, regardez vers l'avant, poussez les genoux vers l'extérieur. Et puis, vous allez poser les mains au sol, refermez vos pieds. Jambes fléchies. Inspirez en expirant, en sautant ou sans sauter, en planche. Expirez, chien tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, chien tête en bas, jambes fléchies. Inspirez, regardez entre les deux mains. Expirez, sautez à l'extérieur des mains, pousse sans sauter. Inspirez, redressez votre buste, regardez vers l'avant. Expirez, posez vos mains au sol. Refermez vos pieds. Inspirez, expirez en planche. En sautant ou sans sauter, c'est comme vous pouvez. Expirez, chien tête en bas. Inspirez en planche. Lâchez pas le périnée. Hein. Expirez, chien tête en bas avec les jambes fléchies. Inspirez, regardez entre les deux mains. Et expirez, sautez les pieds à l'extérieur des mains. Il faut y aller. Inspirez, redressez votre dos. Expirez, relâchez, posez les mains au sol. Refermez vos pieds largeur au bassin. Inspirez et puis expirez en planche. Et puis là, vous posez vos genoux au sol, vous pointez vos pieds, vous poussez les fesses vers l'arrière, vous récupérez. Soit vous récupérez les bras allongés devant, soit vous récupérez les bras le long du corps comme vous voulez dans le ciel. Quand vous en avez envie.
c'est vers l'arrière, les talons vers les fessiers. Inspirez. Expirez, restez. Et puis inspirez, revenez sur les mains. Repoussez bien le sol. Expirez, bras gauche, jambe droite. Inspirez, revenez. Expirez, bras droit, jambe gauche. Inspirez, revenez. Expirez en planche sur les genoux. Inspirez, fléchissez les coudes. Expirez, poussez. Encore une fois. Inspirez, fléchissez les coudes. Expirez, poussez. Poussez les fesses vers l'arrière. Allongez les bras devant. Et puis inspirez, revenez en planche. Expirez, bras gauche en droite. Inspirez, revenez. Expirez, jambe droite, bras gauche. Inspirez, revenez. Expirez, en planche sur les genoux. Inspirez, fléchissez les coudes. Expirez, poussez, c'est le bienvenu des ventres. Encore une fois. Expirez, poussez, vous sentez l'arrière des bras. Poussez les fesses vers l'arrière, allongez les bras devant. La fesse droite, décoller la jambe droite si elle se décolle, et puis relâcher ou faire des battements avec jambe droite, jambe gauche. Vous alternez la droite et la gauche, vous faites des petits battements, jambe droite, jambe gauche, ou vous alternez une jambe après l'autre, comme c'est possible pour vous. La main gauche sur la main droite. Vous inspirez, vous gardez le front sur les mains, vous soufflez, vous décollez très légèrement vos mains et votre tête. Vous inspirez, vous soufflez, vous essayez d'éloigner vos mains, mais les mains restent collées l'une sur l'autre. La gauche reste collée sur l'autre et vous essayez d'ouvrir comme ça. Vous sentez les omoplates qui se rapprochent. Relâchez le haut du dos et vous reprenez les fessiers. J'inspire sur un battement, je souffle sur l'autre. Et puis vous relâchez, vous détendez.
détendre. Vous allez mettre vos bras en chandelier. Tournez la tête à droite pour poser l'oreille gauche au sol. Je te permets. Inspirez, redressez votre tête et expirez, changez de côté. Puis vous allez ramener le front au milieu. Ramenez la main droite sur la main gauche. Alors ça, si vous avez mal au dos, vous gardez les mains posées au sol. Et vous alternez les bras et les jambes. Si vous n'avez pas mal au dos, vous inspirez, vous soufflez, vous décollez, vous restez juste comme ça. Vous décollez vos coudes, vous décollez très légèrement votre tête, vous tirez les bras sur le côté. Si c'est possible pour vous, vous faites les battements de jambes en même temps. En même temps que vous tirez les mains sur le côté, vous faites des battements de jambes, à condition que le nombril ne touche pas le sol. Si le nombril ne touche pas le sol, tout va bien. Vous ne devriez pas. Si vous avez mal au bas du dos, vous ne le faites pas. Vous alternez une fois le dos, une fois les jambes. Mais si vous n'avez pas mal au dos, vous pouvez. Les jambes bien tendues. Et puis, vous relâchez. Détendez. Et vous changez votre main de sens. La main gauche dessus. Et dès que vous êtes prêt et prête, vous reprenez la même chose, mais avec l'autre main dessus. Bras très légèrement décollés ou pas. Jambes bien tendues. Putain, je vais plus tard. Ah, si, ça marche. Voilà, bien tendu. Prenez le temps d'inspirer par le nez. Sophie a fait un sprint. Elle est pressée ce soir. Et puis vous relâchez. Détendez. Écartez à nouveau vos bras en chandelier, tournez la tête à droite ou à gauche, peu importe. Vous pouvez tirer la nuque. Inspirez, redressez tout doucement votre nuque et changez de côté. Ramenez le front au milieu, vous posez les mains sous les épaules, vous repoussez le sol, vous poussez les fesses à l'arrière. Allongez les bras devant. Et puis là, vous allez inspirer, revenir à votre patte. Expirez, retroussez à nouveau vos orteils, décollez les genoux, poussez les fesses vers le ciel, chaînez en bas. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Restez, poussez comme si vous vouliez faire un grand écart contre le mur. Contractez la fesse droite. Et puis vous allez inspirer, amenez le genou droit vers la poitrine, le talon droit vers la fesse droite. Expirez, amenez le pied droit vers l'avant. Oui, il faut l'amener. Posez le genou gauche au sol. Relâchez votre hanche. Posez la main gauche au sol. Pivotez vers le genou. Montez votre bras gauche. Votre bras droit, j'ai dit des bêtises. Mais c'est pas grave, on va faire le gauche, continue. C'est moi qui dis des bêtises. Revenez tout doucement au milieu. Posez la main droite et montez votre bras gauche, votre côté. En cherchant à allonger votre dos. Et puis, vous revenez tout doucement au milieu, vous regardez vers l'avant, vous posez vos bras au sol, vous redressez votre buste, signe d'accord. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, regardez vers le ciel. Et puis, vous regardez vers l'avant, vous relâchez les bras par le côté, vous posez vos mains au sol,
Vous faites glisser votre genou légèrement vers l'avant. Vous retroussez à nouveau votre orteil pour détendre votre genou. C'est un peu plus serré. La friture, je crois, Patrick. Allongez votre jambe arrière. Collez le ventre contre la cuisse et essayez d'étirer votre jambe avant. Vas-y, comme on peut. Restez, inspirez, expirez, étirez. Et puis, vous allez fléchir le genou de la jambe avant. Posez vos doigts au sol pour redresser votre buste. Dos plat, jambe avant pliée. T'as le pied trop loin derrière, Valérie. Le talon est posé au sol derrière. Rapprochez votre pied pour pouvoir poser votre talon. Voilà. Redressez votre buste. Regardez vers l'avant. Posez la main sur le genou s'il y a besoin. Allongez la nuque. Allongez les bras le long du corps. Jambe avant pliée. Pomme de main vers le sol. Nuque bien allongée. La jambe avant, elle est pliée, Jeannette. Je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. Et puis, ça tient un peu derrière la cuisse. Et puis, vous redressez votre buste. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Allongez la jambe avant. Étirez, serrez le périnée. Grandissez. Et puis, fléchissez à nouveau légèrement la jambe avant. Et expirez. Pivotez vers la jambe gauche en écartant les bras sur le côté. Regardez vers votre main gauche, loin derrière. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Ramenez le buste dans l'axe. Expirez, descendez tout doucement vers l'avant en écartant les bras sur le côté pour venir poser une main de chaque côté du pied avant. Ramenez le pied droit vers l'arrière. Reculez pour passer en planche et chien fait en bas. Inspirez, montez votre jambe gauche. Restez. Ramenez le genou gauche vers la poitrine, le talon vers la fesse, regardez entre les deux mains. Et amenez votre pied gauche entre les deux mains. Posez le genou gauche au sol. Redressez votre buste. Et puis, vous allez monter votre bras gauche sur le côté. Pivotez la poitrine vers la gauche. Inspirez. Ramenez la main gauche vers le sol. Allongez votre dos à nouveau. Montez votre bras droit. Cherchez à allonger votre dos. Et puis, vous venez poser votre main au sol. Vous regardez vers l'avant. Vous redressez votre buste. Et vous inspirez. Vous montez les bras vers le côté. Regardez vers le ciel. Regardez vers l'avant, relâchez les bras par le côté, venez poser une main de chaque côté du pied, rapprochez un tout petit peu votre genou arrière pour retrousser à nouveau vos orteils, allongez votre jambe arrière pour que votre talon arrière puisse se poser au sol. Collez le ventre contre la cuisse avant, étirez l'arrière de la cuisse. Et relâchez bien votre tête. Et puis, vous allez poser les doigts au sol, fléchir un peu plus. Ça étire. Le buste parallèle au sol, pomme de main vers le sol, nuque allongée. Tu as déjà un peu écarté, je crois, Sophie, non? T'as les jambes décalées, décale tes jambes, Sophie. La jambe avant pliée, la jambe arrière tendue et le buste droit. C'est pas grave. C'est pas compris. Inspirez, redressez le buste. Allongez la jambe, inspirez, montez les bras vers le ciel.
téléphone, on ne voit pas tout. Grandissez, serrez le périnée là aussi. Hein. Et puis vous expirez, vous relâchez les bras par le côté, fléchissez le genou de la jambe d'avant, descendez le buste vers l'avant pour venir poser une main de chaque côté du pied, ramenez le pied vers l'arrière, reculez vos pieds pour revenir en chaîne tête en bas. Enfoncez les talons dans le sol, restez, repoussez bien le sol avec vos bras, poussez les fesses dans le ciel comme si vous vouliez cambrer. Serrez le périnée, pressez la pulpe des doigts au sol, restez. Inspirez, expirez. Je serre le périnée, je me retiens dans la nacelle, je me retiens de faire pipi. Et puis tout doucement, vous allez venir les épaules en avant, fléchir vos genoux pour poser vos genoux au sol. Écartez vos genoux sur le côté, retirez un peu les pieds, mais surtout écartez les genoux, plus large que les hanches. Vous poussez les fesses vers l'arrière, vous amenez les fesses sur les talons et vous passez le ventre entre les cuisses. Vous allongez les bras loin devant. Et là, peut-être que votre poitrine se pose au sol. Alors, ça dépend de la souplesse des épaules. Et puis peut-être, si ça va au niveau du dos ou si ça va au niveau des épaules, vous pouvez peut-être poser le menton au sol et regarder devant, avec la poitrine qui se pose. Peut-être, hein. Faites doucement, toujours pour les épaules. Restez un petit peu. Si vous aviez le menton au sol, vous posez le front, vous rapprochez les mains sous les aisselles, vous repoussez le sol, vous resserrez vos genoux et vous venez vous asseoir sur le bord du tapis. Faire une ou deux roulades. Vous croisez vos pieds, vous attrapez les pieds en forme de crâne, vous inspirez. Vous soufflez, vous roulez vers l'arrière, vous inspirez pour revenir devant et vous décroisez. Soufflez, inspirez. Si vous avez envie de faire la chandelle, faites-le. Si vous avez envie de chercher à bien rouler sur le tapis. Voilà, c'est ça. Dernière fois. Et puis là, vous revenez, vous décroisez. Vous allongez votre jambe droite, vous allongez votre jambe gauche. Et vous reprenez comme au début. Je souffle, je roule, j'inspire, je reviens. Je souffle, j'inspire. Pour bien masser votre dos. Et puis, quand vous êtes derrière, vous cherchez à ramener votre jambe vers le nez. Quand vous êtes vers l'arrière, et même à la rigueur, quand vous êtes vers l'avant. Dernière fois, cette jambe. Et puis, vous changez de jambe. Attrapez l'autre cheville. Jambe allongée, si c'est possible. Je souffle, je roule. J'inspire, je reviens. Comme ça, en même temps qu'on étire l'arrière de la cuisse, on masse le dos. Tourne la tête. Dernière fois, ah, ça dévie du tapis. Revenez milieu. Et puis, vous allongez vos deux jambes devant, bras tendus. Soufflez, déroulez le dos sur le tapis. Relâchez les bras sur le côté. Fléchissez vos genoux. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Posez la cheville droite sur le genou droit. Ouvrez le genou droit vers l'extérieur et avec votre main droite, vous passez la main droite sous le mollet droit pour venir chercher votre cuisse droite ou votre
je m'ouvre. C'est ça. Inspirez. Et puis, vous allez poser votre pied gauche au sol. Attrapez votre genou droit avec la main gauche. Décroisez votre pied. Allongez la jambe gauche au sol. Écartez votre bras droit sur le côté. Et amenez le genou droit vers la gauche et la tête à droite. Amenez les orteils du pied gauche vers le ciel. Bon. Inspirez, revenez milieu. Attrapez votre genou droit, ramenez le genou gauche, posez le pied droit au sol, posez la cheville gauche sur vos genoux, ouvrez le genou vers l'extérieur. Et puis, vous allez passer la main gauche sous le mollet, venir chercher votre cuisse ou votre genou. Posez le pied au sol, décroisez votre jambe gauche, attrapez votre genou, allongez la jambe droite, écartez le bras gauche sur le côté et amenez votre genou gauche vers la droite. Ramenez les orteils du pied gauche vers le ciel, tournez la tête à gauche, le pied droit vers le ciel, pardon. Les orteils du pied droit vers le ciel, la jambe droite tendue, le regard vers la gauche. Vous inspirez, vous revenez au milieu, la tête et le genou en même temps. Ramenez votre pied droit, posez le pied gauche au sol. Là, si vous n'avez pas mal au dos, écartez les deux genoux de chaque côté. Mettez les deux plantes l'une contre l'autre, relâchez vos épaules. Et vous pouvez peut-être faire glisser les bras vers l'arrière, derrière la tête, pour venir chercher vos coudes qui restent posés au sol à l'intérieur, ne pas trop cambrer. Si les mains ne touchent pas le sol, gardez les bras écartés sur le côté ou un peu vers l'arrière. Gardez vos mains, vos bras en contact avec le sol. Inspirez. Si vous avez mal au dos, vous ne faites pas. Sur le côté pour les ramener le long du corps, refermez vos genoux, ramenez les genoux vers la poitrine, les bras le long du corps, inspirez, amenez les bras vers l'arrière, montez les jambes vers le ciel, expirez, ramenez les bras le long du corps, fléchissez vos genoux, inspirez, expirez. Dernière fois.
posez un pied après l'autre au sol. Pivotez les paumes de main vers le ciel si vous êtes à l'aise avec ça. Sinon, les paumes de main vers le sol, quand vous êtes le plus à l'aise. Allongez une jambe après l'autre au sol. Relâchez les pieds vers l'extérieur. Relâchez vos jambes. Inspirez par le nez. Gonflez votre ventre. Gonflez, gonflez, gonflez comme un ballon de baudruche et soufflez très lentement par la bouche, tout doucement. Et puis vous reprenez 4-5 fois celui-là, j'inspire, je gonfle mon ventre et très lentement je vide. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le souhaitent, pivoter sur le côté. Si vous voulez faire une relaxation, restez allongé ou venez vous asseoir comme vous voulez. Habillez-vous. Bonne soirée. Bye bye. Merci. Et donc, ça se met en route. On s'équipe pour la relaxation. Alors, ils sont là. Ah, oh, merci. Alors, oh ben, ça c'est bien. Pour la journée, pour la soirée, une bulle d'amour pour passer une bonne nuit. C'est bien ça. C'est bon ça. Hein? C'est bon. Ah, c'est bon ça. Bon, je vais mettre le son. C'est mieux quand même. Avec... Assise ou couchée. Oh, pardon, c'est un peu fort. Simplement avec le dos bien droit. Ça va? C'est pas trop fort? Ah. Nous allons créer ensemble une parenthèse de douceur. Commencez par prendre une profonde inspiration et libérez toutes vos tensions en expirant profondément tout cet air. Laissez-vous aller et calmez votre respiration en continuant à respirer profondément, sans rien forcer. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez fermer les yeux. Portez votre attention quelques secondes sur votre respiration qui se calme, doucement, au rythme de votre cœur.
C'est parfait. Maintenant, imaginez une sphère de lumière scintillante qui vous entoure, comme si vous étiez dans une bulle de lumière et d'amour. Cette bulle vous fait ressentir un sentiment de douceur, de confiance et de lâcher prise. À l'intérieur, vous vous sentez en sécurité. Vous pouvez détendre votre corps petit à petit. Et la lumière de cette bulle commence à s'immerger en vous. Elle entre dans vos pieds, remonte doucement dans vos mollets, jusque dans vos cuisses. Elle détend vos hanches, le bas de votre dos. Et remonte en haut de votre dos. Votre torse entier est entièrement lumineux. Cette lumière détend vos épaules et se diffuse dans vos bras, vos mains. Se concentre dans la paume de vos mains pour se diffuser jusqu'au bout de vos doigts. Elle remonte dans votre nuque, votre cou, et va jusqu'à votre cerveau, votre visage et votre tête entière, qui sont totalement détendus maintenant. Votre corps entier est totalement lumineux et flotte dans cette bulle. C'est parfait. Vous pouvez commencer à bouger doucement votre corps et à ouvrir les yeux. Cette bulle de lumière continue de vous entourer. Vous êtes maintenant dans une vibration de confiance et de joie. Je vous souhaite une délicieuse journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.